وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه فرح وعيايا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرش ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم. Monsieur le Président, honorable membre du jury, j'ai l'honneur de vous présenter notre sujet de thèse intitulé Bactéries lactiques, usage alimentaire. Pour cela, nous allons aborder le plan suivant en insistant sur l'utilité des bactéries lactiques. Les bactéries, ces petits micro-organismes qui ne dépassent pas quelques micromètres, ne sont pas toujours nocifs, mais peuvent être utiles, c'est le cas des bactéries lactiques. L'homme utilisait les bactéries lactiques depuis des milliers d'années sans même savoir qu'il existe. Ce n'est qu'en 1878 que Lister a pu isoler pour la première fois des micro-organismes à partir du lait fermenté, groupés sous le nom Bacterium lactis. Quelques années plus tard, en 1890, Stork a pu isoler une deuxième bactérie à partir de la crème, nommée Streptococcus cremorus, et qui a cru qu'elle est responsable de la production d'arômes. En 1919, les chercheurs ont montré que les bactéries responsables de la production d'arômes contiennent en fait un mélange de deux types de bactéries, le conostoc et Streptococcus lactis. Et Orla Johnson a pu définir les lactobacilles comme étant des grammes positifs immobiles microaérophiles. En 1936, des nouvelles bactéries aromatiques sont apparues, notamment le Streptococcus diacetylactis et le Streptococcus citrophilus. Et en 1938, Sherman a pu donner une classification aux streptocoques en se basant sur la méthode de stéréotypage décrite par Lancefield. Pour cela, je vous invite à regarder cette vidéo qui explique d'une façon réelle ce qui se passe dans la voie aérobie et qu'on va la comparer par la suite par la voie anaérobie. La respiration cellulaire peut être décomposée en plusieurs étapes. La glycolyse, qui se déroule dans le cytosol de la cellule, le cycle de Krebs, qui se déroule dans la matrice de la mitochondrie, et la chaîne respiratoire, qui a lieu au niveau de la membrane interne des crêtes mitochondriales. La respiration mitochondriale comprend donc deux étapes. La première débute dans la matrice de la mitochondrie avec le cycle de Krebs. L'acide pyruvique issu de la glycolyse subit une succession de transformations au cours desquelles il est décarboxylé. Il perd du carbone sous forme de CO2.
Il est oxydé et déshydrogéné. Les électrons et les protons sont récupérés par des molécules à l'état oxydé, notées ici R. Ces molécules sont réduites en RH2. Au cours d'un cycle, c'est-à-dire lors de la dégradation de 2 mol d'acide pyruvique, 2 mol d'ATP sont produites. La chaîne respiratoire peut être inhibée par des molécules comme la roténone, extraite des racines de certaines légumineuses, et utilisée comme poison de pêche par les Indiens de Guyane. Certains médicaments sédatifs ont également cet effet. D'autres molécules peuvent bloquer la chaîne respiratoire, comme l'oxyde de carbone ou encore les cyanures. Une inhibition ou un blocage de la chaîne respiratoire peuvent donc avoir des effets irréversibles sur l'organisme. La mitochondrie est délimitée par une double membrane, membrane interne, membrane externe. Dans la matrice de la mitochondrie se déroule le cycle de Krebs. Au cours de ce cycle sont produites des molécules réduites de type RH2. Dans la membrane interne des crêtes mitochondriales, un ensemble de couples redox vont intervenir. Ce sont des transporteurs d'électrons et constituent la chaîne respiratoire. Les molécules RH2, ici NADH et FADH2, présentes dans la matrice de la mitochondrie, vont céder des électrons et des protons à cette chaîne de transporteurs. Les molécules RH2 cèdent des électrons au premier transporteur composé d'une molécule à l'état oxydé. Ce transporteur est alors réduit. Il transfère alors ses électrons à une autre molécule à l'état oxydé qui est alors à son tour réduite. Des protons passent alors de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce processus se poursuit. Il se lie également à des protons pour former de l'eau. Le dioxygène passe donc d'un état oxydé à un état réduit, H2O. Sans dioxygène, la chaîne est complètement paralysée et les molécules RH2 ne peuvent plus être oxydées et régénérées. Les protons accumulés dans l'espace intermembranaire retournent dans la matrice par un canal particulier composé d'une enzyme, l'ATP synthase ou ATP synthétase. Cette enzyme va alors catalyser la synthèse de l'ATP en permettant la phosphorylation de l'ADP. Cette phosphorylation est qualifiée de phosphorylation oxydative, car elle est le résultat finalement de l'oxydation des molécules organiques comme le glucose en présence de dioxygène. La chaîne respiratoire produit donc 32 mol d'ATP pour 1 mol de glucose consommé. La production d'ATP est capitale pour les cellules. Par exemple, une cellule musculaire en activité peut générer et utiliser 10 millions de molécules d'ATP par seconde. Donc, la première étape du métabolisme du glucide correspond à la glycolyse, qui transforme le glucose en deux molécules d'acide pyruvique. En présence de dioxygène, l'acide pyruvique va être oxydé et rejoint la mitochondrie pour faire le cycle de Krebs et la respiration cellulaire. Dans le cas inverse, en absence de dioxygène, les cellules ne peuvent pas réaliser la respiration cellulaire. Ils vont donc suivre une autre voie métabolique appelée fermentation lactique qui se déroule au niveau du cytoplasme cellulaire et donne deux molécules d'acide lactique. Le bilan de cette fermentation donne 2 molécules d'ATP, contrairement à la voie aérobie qui donne 32 molécules d'ATP. Lorsqu'on a seulement l'acide lactique comme produit terminal, on parle d'une voie homofermentaire ou voie de Dombden-Meyer. Lorsqu'on a en plus de l'acide lactique, d'autres substances sont produites, telles que le CO2 ou l'éthanol, on parle d'une voie hétérofermentaire. Alors, qu'est-ce qu'une bactérie lactique ? Les bactéries lactiques sont définies comme étant des bactéries qui fermentent le glucose pour obtenir de l'acide lactique. Ils sont des coques ou des bâtonnets, grammes positifs, immobiles, non sporulés, catalase négatif, nitrate réductase négatif et aéroanaérobie
facultatif. Ces bactéries ont des exigences nutritionnelles complexes, que ce soit en glucides, vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras et acides nucléiques. Le tableau suivant montre quelques exemples des besoins nutritifs de certaines bactéries lactiques. En acides aminés, par exemple, la lysine, leucine et l'histidine. En vitamines, telles que la vitamine B12, la biotine. En acides organiques, acide acétique, l'acide oléique. Et les acides nucléiques qui stimulent la croissance de ces bactéries, tels que l'adénine, guanine ou thymine. Ces bactéries lactiques appartiennent au même phylum qui est le phylum des Firmicutes. Dans ce phylum, on a deux classes, la classe des bacilli et la classe des actinobactéria. Dans la classe des bacilli, ordre des lactobacillales, on a six familles. La famille des lactobacillacées, famille des carnobactériacées, les leuconostocacées, streptococacées, entérococacées et aérococacées. Les oenococcus sont des coques sphériques ou ovalaires, immobiles, non sporulées, anaérobies et hétérofermentaires. Oui, celles-là sont des coccobacilles gram-positifs, isolées, groupées en paires ou en chaînes, non sporulées, immobiles, catalase négatif, oxydase négatif, micro-aérophiles, hétérofermentaires et ont des exigences nutritionnelles complexes. Les lactococcus sont des coques groupées en paires ou en chaînes, anaérobies et homofermentaires. Actuellement, seulement Lactococcus lactis est utilisé en agroalimentaire. Les streptococcus sont des coques à gram positif homofermentaires. La seule espèce utilisée est Streptococcus thermophilus qui est très utilisable dans la fabrication des yaourts. Les entérococcus sont des coques à gram positif groupées en chaînettes. Trois groupes d'entérococcus, l'entérococcus fécalis, enterococcus durans et enterococcus bovis. Les vagococcus sont des coques à gram positif, anaérobie, catalase négatif, homofermentaires. Les tétragonococcus sont des bactéries qui résistent à des concentrations élevées en NaCl, ce qui explique leur utilisation dans la fabrication des sauces, dans l'exemple de la sauce soja. Seulement deux espèces sont connues, Tetragonococcus halophilus et Tetragonococcus muriaticus. Les aérococcus sont des coques groupées en tétrades et moins intéressants en agroalimentaire. Et le dernier genre, c'est Bifidobacterium, qui sont des bacilles à gram positif, immobiles, non sporulées, anaérobies, catalase négatif et nitrate réductase négatif. Nous arrivons, mesdames et messieurs, au chapitre le plus important dans notre travail, l'utilité des bactéries lactiques. Les bactéries lactiques ont un rôle important dans la sécurité des aliments. La production d'acides organiques qui sont comme tout acide ont un effet inhibiteur. Ils entraînent une acidification du milieu qui entraîne une lyse de certaines bactéries. On a deux acides, l'acide lactique et l'acide acétique. L'acide lactique, qui est le métabolite majeur de la fermentation des bactéries lactiques, a un effet inhibiteur, surtout contre les listeria monocytogènes. Les stéréoisomères de l'acide lactique sont différents dans leur activité. L'acide L-lactique est plus inhibiteur que l'acide D-lactique. Quant à l'acide acétique, qui est produit par les bactéries lactiques hétérofermentaires, il réagit de la même façon que l'acide lactique, mais il est plus inhibiteur que l'acide lactique via listeria monocytogène. Le dioxyde de carbone est un métabolite secondaire des bactéries lactiques hétérofermentaires. Son accumulation dans le milieu extérieur entraîne une anaérobiose qui peut être toxique pour certaines bactéries aérobies. Les acides gras sont généralement produits par les lactococcus ou les lactobacillus. Leur activité dépend de la longueur de leur chaîne carbonée. L'acide arachidonique, par exemple, a un effet bactéricide contre les gram positifs, notamment l'hystéria monocytogène. Les bactériocines sont des peptides antimicrobiennes libérés par les bactéries lactiques dans le milieu extracellulaire et qui ont un effet inhibiteur contre l'hystéria monocytogène. Le tableau suivant montre quelques exemples de bactériocines produites par certaines bactéries lactiques.
Les lactococcus, par exemple, produisent l'anisine, le leucocystoc, leucocine. Streptococcus, thermophiline, lactobacillus, dont l'exemple la lactacine, enterococcus, enterocine, bifidobacterium, bifidocine, et pediococcus, pediocine. Le système protéologique chez les bactéries lactiques est composé de protéases associées à la paroi cellulaire et qui catalysent l'hydrolyse des protéines en peptides. Ces peptides vont ensuite, sous l'action des endopeptidases ou des exopeptidases, être transformés en acides aminés. Les acides aminés sous forme libre ont des saveurs variables. Certaines ont des saveurs sucrées, telles que glycogène, et d'autres des saveurs amères, telles que leucine, lysine et tryptophane. Ces peptides peuvent ensuite être transformés en amines, en acides et en aldéhydes, qui influencent le goût de certains aliments. Le pouvoir épaississant des bactéries lactiques, mettant des micro-organismes vivants, bactéries, levures, notamment ferments lactiques, qui lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, ont un effet bénéfique en maintenant les maladies plus graves. Chez certaines personnes, ces probiotiques peuvent entraîner une augmentation temporaire des gaz intestinaux ou une légère irritation intestinale. Si c'est le cas, on commence par une dose faible qu'on augmentera progressivement. Les bactéries lactiques sont utilisées dans la fabrication de plusieurs produits alimentaires, en donnant l'exemple des fromages et des yaourts. Les fromages sont des produits obtenus par coagulation du lait, suivis d'un égouttage et éventuellement un affinage. La première étape de fabrication des fromages est la coagulation. Le but de cette étape est de solidifier le lait par rajout soit de ferment lactique, soit de présure, qui est une enzyme issue de la caillelette. La caillelette est une partie de l'estomac des veaux nourrie exclusivement au lait. La deuxième étape, c'est les goûts de texture et leur goût final. Le tableau suivant montre quelques exemples de bactéries lactiques qui entrent dans la composition de certains fromages. Des laits fermentés par le lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus et qui doivent se trouver vivantes dans le produit final. Sur l'image, on voit un frottis du yaourt dans lequel on trouve les lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus. Mesdames et messieurs, honorables assistants, on peut donc conclure notre travail que les bactéries lactiques sont des bactéries bénéfiques. Elles garantissent d'une part la qualité microbiologique par leur effet inhibiteur et d'autre part les caractères organoleptiques par modification du goût, de l'aspect et de l'arôme, sans oublier le rôle probiotique. Merci pour votre attention. M'avoir donné l'occasion de siéger parmi les maîtres et mes collègues ici présents et pour juger mon travail sur les bactéries lactiques. Donc c'est un travail que je trouve qui est très intéressant, que vous avez bien réussi pour le rédiger, pour le faire dans les bonnes conditions. J'ai beaucoup aimé votre travail, donc c'est pour ça que j'ai accepté d'être parmi votre juré. Vous avez réussi et on trouve que vous avez bien suivi pour arriver à ce niveau-là. Mais quand même, il me reste quelques remarques. Ça ne touche en rien à la qualité de de ce que vous avez fait. Mais en tant qu'épidémiologiste, j'ai obligatoirement des remarques sur réussi à choisir les différentes parties de votre thèse. On voit que c'est un plan qui est bien structuré, qui est facile à suivre et concis. Et donc, on arrive bien à comprendre ce que vous voulez faire. Donc, c'était sur le fond. J'ai quelques remarques. Donc, je commence d'abord par l'introduction. Pour les objectifs, donc ça c'est juste un conseil à de ce que vous devez toujours choisir un seul objectif pour rester limité et concentré dans votre travail. Donc, c'est bien, vous étiez un petit peu, on peut dire, gourmand, vous avez détaillé 3-4 objectifs, mais dans les recommandations, il vaut mieux se limiter à un seul. Donc, ça c'est un conseil pour le travail futur, pas pour. Donc pour ce conseil historique, donc à la quatrième page, donc on voit bien que vous avez bien
c'est-à-dire citer les grandes étapes de ces bactéries, mais il manque une petite étape qui concerne Elia Metchnikov. Pourquoi? Parce que c'est un Nobel, c'est un lauréat du Nobel en médecine en 1908. C'est un fils, c'est l'étudiant, on peut dire l'étudiant de Louis Pasteur. Et c'était parmi les premiers qui ont remarqué l'intérêt sanitaire des bactéries lactiques. C'est un sujet qui me tenait à cœur. C'est par la force du hasard. J'étais en train de préparer un cours concernant de la microbiologie alimentaire. Et vous venez, via votre directeur de thèse, Madame professeure Hidaoui, vous demandez de figurer parmi vos jurés. Ça m'a fait un choc parce que j'étais dans la marmite, comme on dit, et vous me demandez de faire un constat des faits. Très bien. Donc je dirais que c'est une thèse qui figure parmi les thèses que j'ai lues avec beaucoup de plaisir. Pas parce qu'il y a de la nourriture dedans, loin de là, mais surtout parce qu'il y a des choses auxquelles on n'y pense même pas, et ça régit notre quotidien, et on n'a pas fait l'arrêt, et on n'a pas pris le temps de voir à quoi ça servait tout ça. Les bactéries lactiques. Le lait, c'est un produit au quotidien, le yaourt, pareil, le fromage, et on ne s'arrête pas pour voir comment ça se fait, comment ça se produit. Donc c'est d'une façon générale, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos parents. Très bien. On sait que les bactéries sont des organismes, des micro-organismes qui ont vécu il y a 3-4 milliards d'années, qui sont là. Peut-être qu'ils sont à l'origine de notre existence, de notre diversité, et même peut-être à notre extinction. Ces différentes bactéries n'ont pas la même fonction. Parce que quand on entend microbe, très souvent c'est un sens péjoratif. C'est-à-dire on dit, ah, c'est une source de problème, c'est une source de maladie. Non. Les scientifiques ont vu que le domaine des micro-organismes, des bactéries, était tellement vaste, qu'on a essayé de trouver une catégorisation de ces différents éléments en les classant en bactéries ou en micro-organismes utiles, c'est le cas des bactéries lactiques, de micro-organismes d'altération, ceux qui altéraient, donc comme on en indique, d'indicateurs d'hygiène, et autres qui sont des bactéries pathogènes. Donc toutes les bactéries ne sont pas pathogènes. Si on se contente de cette classification. Et ces bactéries-là, ces bactéries lactiques, elles figurent parmi les bactéries utiles. Pour assister à cet exposé, parce que vous n'avez pas assisté au travail qu'on avait fait ensemble, mais vous avez assisté à cet exposé, pourquoi? C'est un exposé, c'est un travail qui va vous être utile. Parce que comme a dit le professeur Sarida Panal, on mange quelque chose, on mange le yaourt, on boit le petit lait, mais on ne sait pas de quoi il est fait. Tout à l'heure, quand il a présenté sur l'exposé un petit chouïa de yaourt qu'on voit au microscope, il y a des bactéries dedans. Alors s'il y a une personne voit des bactéries, peut-être qu'elle aura, comment dire, les nausées, ne mangera pas le yaourt, alors qu'ils sachent que ce sont des bactéries qui sont bénéfiques. Effectivement, comme a dit le professeur Zrara, les bactéries, et aussi bien sûr notre futur docteur, les bactéries ne sont pas toujours pathogènes comme on a appris depuis le début de notre formation. Quand on entend bactéries, germes, microbes, alors tout cela, on a vraiment la phobie. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que les bactéries, réellement, elles sont vraiment bénéfiques, surtout si on comprend bien qu'elles étaient à l'origine, depuis des milliards d'années, à l'origine de notre vie. Alors, l'exemple le plus typique, c'est que la mitochondrie qui sont retenues dans les eucaryotes, c'est réellement des bactéries. Et regardez la mitochondrie à travers la vidéo qu'il vous a exposée. Cette mitochondrie, elle intervient dans la respiration. Et sans respiration, on ne sera pas vivant et assister à cet exposé. Alors, étape par étape, et j'ai bien voulu ça parce que moi-même, je voudrais bien, m'améliorer dans ma formation parce que il y a toujours quelque chose à apprendre. Et donc, ça m'a plu quand il a vraiment donné son avis sur le plan. C'est un plan correct. Pour moi, c'est un gain qu'un spécialiste en la matière qui dit que je fais un bon plan. Ça veut dire qu'on est bien sur le bon chemin. Ensuite, sa méthodologie concernant le fond, concernant l'introduction. Eh bien, l'introduction, il ne l'a pas détaillée parce que ce n'est pas sa faute, mais c'est moi, je le dis toujours. Peut-être un jour, la faculté a fait une formation, comment préparer une thèse, et nous a dit que pour l'introduction, il ne faut pas dépasser une page avec trois points, un aspect général, et puis le problème qu'il y a,
quel est le problème, et puis les trois objectifs. Lesquels objectifs qu'on note sur la feuille, qu'on remplit dès le début quand l'étudiant arrive pour prendre un sujet. Alors, c'est, donc maintenant que vous avez fait votre intervention, Inch'Allah, les prochaines thèses, on va tenir compte de cette remarque parce que vraiment, elle est judicieuse. Hein, surtout que quand il va falloir intervenir le contexte international, le projet de recherche, les bactéries à consommer, donc elles doivent, ce sont des bactéries à consommer. Et donc, dès qu'on dit le mot bactéries, on craint pour notre organisme. Eh bien, ce sont des bactéries à consommer, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une loi bien établie. Et puis, bien sûr, le contexte marocain. Ce sont là les quatre points, ce sont des quatre points qui sont vraiment pertinents. Inch'Allah, je tiendrai compte de ces remarques-là. Et puis, vous avez, c'est vrai, parlé de modèle familial et industriel. C'est bien d'insister là-dessus. La majorité des jeunes, malheureusement, elles mangent à l'extérieur. Il y a le comment ça, McDonald's, il y a la carte de l'enseignement, il y a tout ça. Je ne vais pas critiquer énormément de choses parce que ça risque de me toucher personnellement. Alors, je me tais là-dessus. Alors, choisir un seul objectif. C'est vrai, depuis toujours, on a choisi plusieurs objectifs. Ce que je dis à mes étudiants, que pour les objectifs, comme on m'a enseigné dans le début du pédagogie, un objectif, ça commence toujours par un verbe à l'infinitif, mais il faut éviter le verbe connaître, parce que personne ne connaît toute chose, et éviter le verbe savoir. Et maintenant, avec le professeur Boualté, on va faire uniquement un seul objectif. Je tiens à vous remercier énormément, à te remercier énormément, parce que ça va me faciliter la tâche. Au lieu de penser les trois objectifs, et même sur la feuille qu'on a pour choisir un sujet, on a trois petites lignes, on n'a quelquefois pas l'espace pour tout écrire. Maintenant, avec un seul objectif principal, ce serait vraiment merveilleux. Je vais le faire, Inch'Allah. Alors, l'historique, alors là, généralement, quand je conseille à mes étudiants de faire un historique, c'est un historique uniquement pour donner du plaisir à continuer à lire la thèse. Mais on n'a jamais pensé, moi-même personnellement, c'est pas sa faute, je ne pense pas aux auteurs qui se sont intervenus. Pour moi, c'est un sujet secondaire. Mais je tiens à te remercier là aussi pour me dire qu'il y a Metchnikov était un étudiant de Pasteur, et tout le monde connaît Pasteur, hein, c'est le père de la microbiologie. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui était très motivé et très ambitieux concernant ce domaine. Alors, pourquoi on n'a pas respecté la chaîne alimentaire dans la définition des caractéristiques? Parce que tout le monde sait que la chaîne alimentaire, elle contient sept éléments. Il y a l'agent pathogène, le réservoir, la transmission, les facteurs favorisants. Ensuite, il y a la réceptivité, et puis il y a la répartition géographique et les caractéristiques, est-ce qu'elle est épidémique ou endémique. C'est pour cette raison-là, on va uniquement citer l'agent pathogène. Pour moi, ce ne sont pas des agents pathogènes, c'est des bactéries bénéfiques. C'est uniquement dans ce sens, et je lui ai pas dit de détailler cette éventualité-là. On s'est, concentré uniquement à citer les bactéries lactiques. C'est pour cette raison qu'on n'a pas parlé de cette chaîne épidémiologique. Des buts des thèses, c'est une formation continue pour les rapporteurs de thèses. Professeur Zalala, je te remercie beaucoup d'avoir interrompu ton congé. À un moment donné, je croyais que tu n'allais pas venir. D'autant plus, aujourd'hui, on a la pluie, il y a le vent, il y a l'orage, il y a tout cela. Et le merveille de la nature, et voilà, c'est parmi nous. Je te remercie un moment pour ça. Alors, c'est vrai, vous nous avez demandé de détailler les caractéristiques. Hein. Ça m'a beaucoup plu de détailler les caractéristiques, mais à fur et à mesure que je prépare les thèses avec les étudiants, je tends vers à amoindrir, à réduire le volume des thèses, comme ça. Peut-être, on approche, ils peuvent faire un article là-dessus, aussi bien facile pour eux que pour moi. C'est pourquoi on a évité les grosses thèses. Et puis j'ai beaucoup aimé la phrase, le bonheur dans la bactérie. Imaginez une bactérie qui est heureuse quand elle est dans un milieu laitier, c'est vraiment, alors je l'imagine. Hein. Choisir mieux la voie homofermentaire parce que c'est la plus bénéfique, je ne savais pas. D'autant plus, le jour où on a voulu votre avis sur les bactéries lactiques, comme par hasard, on vous a trouvé en train de préparer ton cours. Et puis, moi personnellement, je ne connais pas grand-chose sur ce sujet-là. Et puis, je ne savais pas que la voie homofermentaire, elle est beaucoup mieux que la voie hétéroformentaire. Moi, je croyais le contraire. Alors, le portail de l'étude sur les bactéries lactiques, c'est vrai, elle a raison, parce que quand on parle des germes qui nous sont utiles, il n'y a pas que les bactéries, il y a même les fongiques. Hein. Ce qu'on a, au moment où on vous a vu, vous étiez dans votre ordinateur, j'ai vu le fongique là, j'ai vu. Donc, ça veut dire que vous, vraiment, ils préparaient les cours vraiment d'une manière très détaillée, mais il ne faut pas être prétentieux. On ne va pas comparer la préparation d'une thèse avec un cours magistral qui va être donné à une
promotion de jeunes étudiants. Hein. Il n'y a pas de comparaison parce que pour un cours magistral, il doit être vraiment détaillé. Et pour la thèse, on cible les points qu'on détaille. Bon, c'est Hamza. Après délibération, le jury te déclare digne de porter le titre de doctorat en pharmacie. Il accorde à ton travail la mention très honorable, associée à ses félicitations. Et il propose ton travail pour un prix de thèse, Inch'Allah. Donc, un dernier geste, c'est de lever la main droite et de prêter le serment que régit la profession. Bismillahirrahmanirrahim. Uqsimu billahi al-adhim an uraqib Allah fi mihnati. أن أبجل أساتذتي الذين تعلمت على أيديهم مبادئ مهنتي وأعترف لهم بالجميل وأبقى دوما وفيا لتعاليمهم أن أزاول مهنتي بوازع من ضميري لما فيه صالح للصحة العمومية وأن لا أقصر أبدا في مسؤولياتي وواجباتي تجاه المريض وكرامته الإنسانية أن ألتزم أثناء ممارستي للصيدلة بالقوانين المعمول بها وبأدب السلوك والشرف وكذا بالاستقامة والترفع أن لا أفشي الأسرار التي قد تعهد إلي أو التي قد أطلع عليها أثناء القيام بمهامي وأن لا أوافق على استعمال معلوماتي لإفساد الأخلاق أو تشجيع الأعمال الإجرامية لأحظى بتقدير الناس إن أنا تقيدت بعهودي أو احتقر من طرف زملائي إن لم أفي بالتزاماتي والله على ما أقول شهيد. مازال المشاهدين الكرام دائما في إطار يعني تغطية مناقشة الدكتورة الخاصة بالدكتور حمزة مرشد الإدريسي أحد كوادر مجموعة مراكز الهاشمي العالمية ومعنا الدكتور الشيخ محمد بن راشد الهاشمي من أجل مناقشة الموضوع. الشيخ يعني شنو رأيك في موضوع يعني ديال البكتيريا المفيدة في المواد الغذائية؟ هذه طبعا دراسة علمية، هذا بحث علمي قدم الدكتور حمزة الإدريسي في رسالته اللي أهلته أن يكون دكتور وحاصل على شهادة دكتوراه من كلية الطب والصيدلة بالمملكة المغربية. ففي أنواع من أنواع البكتيريا تنفع، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أقر وقال إن في الذباب، قال إن في أحد جناحيه الداء وفي أحد جناحيه الدواء، يعني هذا الشيء حتى موجود في عهد النبوة. الصحابي اللي لدغته عقرب سم أيضا، يعني ممكن السم أيضا يكون يعني يستخلص منه أدوية. فأحيانا بعض أنواع البكتيريا ممكن تساعد في شفاء مريض، ولكن وفق طبعا دراسات علمية حقيقية. لذلك احنا الحمد لله اذا كنا احنا نعالج بالغذاء، فما بالك اذا كان في البكتيريا، ما بالك يعني يعني يكون في حاجة ثانية ايضا هي ممكن تكون ضارة ولكن ممكن تنفع احيانا. فلذلك الحمد لله، نسأل الله له التوفيق والنجاح والله يوفقه في مسيرته. نعم شيخ، يعني أكيد أنك بحكم أنك من ذوي التجربة وذوي الاختصاص وسنوات في المجال ديال التغذية ومجال يعني ديال التداوي، باش تنصح الدكتور حمزة مرشد الإدريسي يعني من أجل مواصلة المشوار؟ الله يوفقه، الله يسدد خطاه، وأكيد راح ينخرط في المجال الصيدلاني ومصانع الأدوية وربما صناعة دوائية وربما يكون عنده محل صيدلية وربما هو يصنع الدواء، ربما هو يخترع، ربما يبتكر، ربما يبدع. نتمنى لك التوفيق. احنا الآن من مناقشة أطروحة الدكتور مرشد الإدريسي حمزة. موضوع الرسالة كان حول البكتيريات المفيدة المتواجدة في بعض المواد الغذائية كالحليب كالزبدة كالزبادي والفائدة التي تعطيها للجسم، حيث لا يقال دائما أن البكتيريات متزامنة أو متسببة في أمراض، ففي بعض الأحيان تكون مفيدة للجسم، فكانت أطروحة مفيدة وقد استفدنا، ونتمنى التوفيق للدكتور الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة نجلة أشعش،
صيدليه زميله دابا ديال حمزه. اليوم جو سوي تري كونتونت وسعيده انني حضرت المناقشه ديال الاطروحه ديال حمزه الاخ ديال الزميله ديالي والصديقه ديالي ساره مرشد الادريسي. بالنقاش كان حول الاطروحه بعنوان البكتيريا اللبنيه، كان في المستوى استفدنا منه كاملين، وسوجي اللي هو يعني داكتواليتي استفدنا منه كاملين، وكنتمنى له التوفيق في المسيره ديالو. كان دابا حمزه الاخ ديال الصديقه ديالي، دابا اليوم اصبح الزميل ديالي حتى هو. كنتمنى له التوفيق في حياته الشخصيه وفي حياته العمليه ان شاء الله. شكرا. معنا اللحظه الدكتوره ساره مرشد الادريسي، اخت الدكتور حمزه مرشد الادريسي، واكيد انني جيت سعيد بالحديث مع الدكتوره ساره مرشد الادريسي. اكيد يعني نبغي نعرف يعني الاحساس ديالك وكمجربه يعني وكاللحظه الدكتور حمزه صار يعني زميل ديالك ودكتور في المجال، يعني كيفاش شفتي وكيفاش قيمتي المناقشه ديال الدكتوره ديالو ديال الاطروحه، واكيد ايضا حتى الموضوع، ونبغيو نعرفوا يعني النصائح باختصار يعني اللي تبغي توجهها للدكتور حمزه. طبعا اليوم الفرحه هي مغايره، اصلا احنا كل واحد كيتخرج معنا كصيدلاني كنفرحوا معاه، فما بالك انه يكون الاخ ديالي اللي هو متخرج اليوم. فعلا الموضوع عجبني بزاف، يعني انا شخصيا عجبني، عجبني كاختيار لانه كاين معلومات اللي ما كنتش عارفها شخصيا، واخا انا كبر منه ويعني قبل منه، ولكن معلومات اخرى اكتشفتها معاه وعرفتها، والاساتذه كانوا فخورين بهذا السوجي هذا او بهذا الموضوع اللي هو كيهضر على البكتيريا اللبنيه، اللي الناس كيعرفوا ان البكتيريا فقط مؤذيه، ولكن اليوم عرفنا بانها عندها فوائد واننا كنستعملوها في الماكله اللي حنا كناكلوها. انا فرحانه ليه بزاف، كنتمنى يا ربي يوفقه في حياته الشخصيه والعمليه، وكنشكر الناس كاملين اللي بذلوا مجهود وجاو معنا حتى لهنا باش يحضروا معنا في هذا المكان، الله يوفقه. وكل شيء اللي جا من الجزائر، اللي جا بزاف اللي جاونا من الجزائر ثلاثه الناس جاونا من الجزائر، والناس اللي جاو من المغرب وتكرفصوا اليوم ما كاين الشتا والبرد، ولكن كل شيء جا تحمل وجا عندنا ما باش يشاركنا هذه الفرحه هذيك. شكرا اليوم بزاف بزاف بزاف، والله يوفق الجميع. الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك. الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك. مشاهدينا الكرام، الاب ديال الدكتور حمزه مرشد الادريسي، اكيد بدوره غنبغيو نتحدثوا معاه ونتعرفوا على الاحساس ديالو ربما بالمناقشه ديال الدكتوره والاطروحه ديال الدكتوره اليوم ديال الابن ديالو الدكتور حمزه مرشد الادريسي. يعني كيفاش كان الاحساس ديالك اليوم وانت كتشوف ما شاء الله حمزه خدا الميزه ديال المشرف جدا؟ اولا كنشكرك بعدا على الحضور ديالك، واللي غادي نقول هو انه الشعور ديالي هو شعور اي اب، الشعور مع ولادو. كتعرف بان كتكون الفرحه كبيره، وكي الانسان كيشوف بانه الرساله ديالو راه وصلها باحسن طريقه، والدليل هو انه كيفاش انا كنتسائل اي واحد كيفاش انه غيكون عنده بنت وولد، سارة اللي هي بنتي وحمزة اللي هي ولدي، جوج الأولاد بنت وولد بجوجهم دكاترة في الصيدلة، وسميتو اللي نشير ليه وأنه عاد سميتو عدة سنوات بيناتهم في العمر، خمسة سنوات أربعة أو خمسة، المهم أربعة سنوات، والوقت باش البنت خدا الدكتورة والولد ديال خد الدكتورة ديالو أربعة سنوات. واللي كيزيد يفرحني أكثر هما أنهم طيلة الحياة الدراسية ديالهم ما عمرهم رسبوا، كل عام كيتوفقوا.
هذا كيفاش كتحس الاب كيفاش كيحسن او الوالدين كيفاش غيحسوا؟ يحسوا بانهم راه اداو الواجب ديالهم وضحاو. علاش ضحاو؟ لانه المشكل ماشي مشكل هاد المسائل هادي باش تتابع الولد حتى يتخرج او يوصل لواحد الدرجه في الدراسه ديالو. من الناحيه الماديه ماشي سهله، خاص مصاريف كثيره وخاص ضحيه، وربي وفقني حتى ضحيت معهم ماديا ومعنويا بحكم سميتو المعاملات ديالي معهم منذ الصغار. ملي كنت كنتعامل معهم بصرامه وتوجيهات، على الدرجة انا كنقول لك بين قوسين، هو انني ملي كان في الروض او الابتدائي كتكمل لك يدخل الطفل او البنت، الولد او البنت كيدخلوا كناخذ المحفظه ديالهم وكنشوف كتاب بكتاب ورقه بورقه. ومن حسن الحظ انني طحت في واحد المدرسه حره، كانت مدرسه حره خصوصيه، انه كان واحد الحوار بيني وبين الاداره، ان كاين يسميو ان كاي دو بور، ان كاي دو بور هو كيعطيو مثلا التمارين اللي غادي ينجز. وهذاك الكاي دو بور انا كان سميتو كان نشوفهم واش نيد داكشي هو هذاك وهذاك. والحمد لله هذا كلشي بخير، وهذا كنشكركم نتوما على الحضور ديالكم ولا يخطيكم علينا. وكنستغل هذه الفرصه باش نشكر كاع العائله اللي قبله اللي حاضرت معنا، وكنشكر الشكر خاص للدكتور الهاشمي اللي جا مسافر على اساس انه غادي يحضر، وكنشكره بزاف وكنقول له لا يخطيك علينا. بالنسبه للاطروحه كانت ممتازه، وكان نوع جديد في البحث ديال الطالب حمزه اللي تطرق للبكتيريا الموجوده في الحليب والنفع ديالها، لان هاد لي بكتيري كلهم بينيفيك، يعني انهم نافعين، وخاصه ان يعني ان حتى اصحاب هاد الحليب ولا كيهتموا بهذا الموضوع وكيصيفطوا دي ديليكي ميديكول للاطباء الشيء ديال ياغورت والحليب. والاطروحه كانت ممتازه بشهاده لي جوري كلهم، ونتمنوا ليه التوفيق. بالنسبه للاخ حمزه اللي هو ولد خالتي وولد ولد عمي، ولكن العلاقه اللي بيني وبيه يعني اكثر من الاخ اكثر من الابن ديالي، يعني كيسمع ليا في اي حاجه، واليوم شرفنا وهز بالعائله ديالو يعني وداز نهار زوين، يعني اللي شرف العائله ديالو وجمعنا كاملين هنايا في هذه المناسبه السعيده ديالو، اللي بين بانه خذ طرح الاطروحه ديالو اللي كانت في المستوى، واخا انا ماشي علميا ما غنفهمش الناس اللي كيفهموا، ولكن على حسب الفهم ديالي كان في مستوى، يعني ناقش موضوع يعني في الصميم اللي كنعيشوه يوميا. ونتمنى له التوفيق ونتمنى له السعاده والتوفيق ان شاء الله وجميع العائله ان شاء الله. الحمد لله هذا يوم جاب الخير ديالو، شتا صبات، وولدنا حمزه ان شاء الله تفوق في الاطروحه ديالو، كان داك الشيء زوين. وحنا والعيد ميلاد ديالو فرحه كلها، والعائله والاحباب كل شيء كان فرحان، والحمد لله داك الشيء داز على احسن ما يرام. ونتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله في الباقي مسار الحياه ديالو، الحياه المهنيه والحياه العائليه، وان شاء الله نشوفوه مزوج ووليدات والله يكمل بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قادر، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل،
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بدأ ببدء الإحساس ديالي يا أخي من 2009 الوليدات كانوا باقين صغار، وجاب الله قدرة الله السميع العليم مشيت للشرق. اللي بغيت نقول وهو هذيك الساعة سارة كتوجد وفي جميع المقامات، لا في مكة ولا في مينن ولا في المدينة المنورة ولا في عرفة، جميع الناس اللي هما مصين على الدعاء وكندعي مع الناس لحبابي وكذا إلى آخره. سارة وحمزة دائما هما الأولين، ماشي زعما من قدرتي أنا كنتفكرهم، الله سبحانه وتعالى كيذكرني بهم، ولأن أعوذ بالله قلت أنا عم ديالهم، عم باهم، والله سبحانه وتعالى بغى قلبي بغاهم. سمعت يا سيد هذوك الوليدات بجوج ودائما عندي في بالي، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى دائما نحضر لهم المناسبات ديالهم، والله سبحانه وتعالى بارك لي في عمري وحضرت المناسبات ديالهم بجوج، الأستاذة سارة والأستاذ حمزة، ونطلب الله سبحانه وتعالى نحضر لهم الزفافة ديالهم لوليداتهم إن شاء الله، ونشوفهم في أعلى مرتبة. وعاود نزيد نشكر والديهم اللي ما قصروش معاهم، لا الأب ولا الأم، باهم مسكين ما دار لا دار ولا دوار إلا أولاده يتلقوا العلم، والله تعالى يكمل عليهم ووافقهم للخير، اللهم يا ربي اصلحهم. وما ننساش الشيخ تهوى في المحبة ديالو ليهم وفي المساعدة معاهم ورافد بيهم، والله سخروا ليهم. عاديس هو الله سبحانه وتعالى راه ما يسخر لك العبد، ما يعطيك العبد يسخر لك الله، راه كون على يقين بان راه اي واحد يقول بان راه فلان عطاني ولا فلان دار معايا ولا لا والو، الله سبحانه وتعالى اللي كيعطي، والله اللي كيمد، والله اللي كيفتح البصيره. وبارك بارك مسعود عليهم وعلى والديهم، والله يكمل عليهم بخير، ونشكركم انتم اصحاب الاعلام، والله يجازيكم عنا خير، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، والله يخليكم في هذا الميدان ان شاء الله دائما ناشطين بخير وعلى خير، والله يحقق لكم ما تتمناوا وفوق ما تتمنوا ان شاء الله. والله اللي قاعد في قلبه شي حاجه وكيتمنى عند الله سبحانه وتعالى، ما كتعرفوني ما كنعرفكم، ولكن لقات الظروف، الله يصلحكم والله يبارك فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك.